Bien, salut à tous et à toutes, ici Bakemox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le Fixie, donc la quatrième vidéo il me semble, ou la troisième, je sais plus. Donc j'ai fini d'enlever la peinture, donc là le cadre est brut. Bon, il reste 2-3 parties au niveau du boîtier de pédalier, et par là, donc ça je finirai après. Mais le boîtier de pédalier je compte le repeindre, parce que c'est vraiment galère à faire, du coup je vais mettre un petit coup de peinture. Sans que ça se voie trop quoi en fait. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va faire les finitions donc pour rendre un meilleur rendu au niveau du cadre, comme je le laisse brut, pour que ça on voit moins les rayures en fait du papier ponce que j'ai passé. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on va faire. Je vais vous donner une autre méthode pour enlever la peinture que j'ai utilisée juste après avoir fait la vidéo. Donc pour enlever la peinture sur Fixie. J'ai ensuite acheté de la peinture et un anti-rouille pour mettre donc après une fois qu'on a fini de poncer. Donc elle va passer directement sur le vélo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai caché ici avec du scotch parce qu'en fait j'ai fait faire par quelqu'un le filetage du boîtier de pédalier. Comme en fait on a enlevé l'ancien avec la disqueuse, comme il partait pas, on a légèrement frotté le côté droit, il me semble que c'était, du coup le filetage avait un peu merdé, donc je l'ai refait, enfin on l'a fait refaire. Donc voilà, donc maintenant le filetage est nickel, il y a la graisse dedans et j'ai plus qu'à monter le nouveau boîtier de pédalier. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc ensuite, je vais vous montrer en fait le papier ponce qu'il faut acheter. Enfin, les différents grains qu'il faut acheter. Je vais mettre ça là. Donc j'avais déjà acheté du 80 il me semble, mais je l'ai pas là parce que je l'ai fini. Pour vraiment enlever la peinture, donc du gros grain pour enlever la peinture, toute la peinture. Ensuite j'ai acheté du 120, du 180 et du 400. En grain. Et hier je suis allé rechercher du pour vraiment bien finir le cadre. ...320, 600 et 280, j'ai acheté en plus avec du 1000. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour finir le cadre en fait, pour rendre un bon rendu au niveau du cadre pour qu'il soit lisse et propre. Donc voilà, donc ensuite là, donc ça je vais faire ça juste après, bien poncer le cadre. Et donc ensuite la méthode que je peux vous donner en plus, donc pour enlever la peinture, donc ça va sur l'ancienne vidéo en fait, c'est ça. Hop. Ceci, achetez un embout comme ça, une brosse métallique en fait, et vous allez pouvoir en fait venir faire tous les recoins, les endroits difficiles d'accès, donc comme là tout ce qui est pâte de dérailleur, les choses comme ça. Là j'ai fait le devant aussi, c'est les endroits galères, surtout sur des cadres comme ça en fait, parce que c'est des cadres anciens, du coup ils sont montés différemment, ils sont un peu plus vintage on va dire, donc il y a des empreintes qui sont différentes, comme dans le cadre, on a des trous et des choses comme ça, donc ça aide vachement pour y atteindre et pour enlever la peinture qu'il y a dedans. Donc voilà, donc ça je vous conseille aussi pour y enlever, ça abîme pas trop le cadre, ça l'abîme pas même, et ça enlève plutôt bien la peinture. Là, on commence avec 120 grammes. Donc voilà, donc là j'ai fait cette partie avec le 120 et maintenant je vais passer avec le 180. Voilà, maintenant j'ai fini avec le 180, je passe au 280. C'est parti.
Voilà, donc maintenant vous allez faire donc toute la partie du cadre, donc ça je le ferai en vidéo, enfin je le ferai pas en vidéo, je vous montrerai à la fin quand j'aurai terminé. Donc là faut monter jusqu'au 1000 grains, je suis à 280 sur cette partie là et là faut tout que je fasse quoi. Donc voilà, donc je vous montrerai ça quand j'aurai fini. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on a fini de poncer tout le cadre, donc le cadre est un peu assez brillant, franchement ça va, je suis assez content du résultat. Là j'ai regardé, j'ai 2-3 endroits encore à refaire, où il y a encore des petites rayures, donc je vais refaire du gros grain, et au fur et à mesure baisser en grain, pour redonner l'aspect lisse quoi, enfin un peu miroir. Voilà, donc là j'ai fini de faire tout le cadre, franchement je suis pas déçu du résultat, ça garde un peu le côté comment dire usé, ancien un peu, parce qu'on voit par endroit les petites traces de du cadre quoi, de la vieillesse du cadre. Donc voilà, donc prochaine vidéo je vous montre comment mettre du vernis, mettre l'anti-rouille, la peinture, puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, allez salut.